今回のホームステイはどうでしたか？すごい素晴らしい。こんなに歓迎されたことはめったにありません。イエスイエス。ママ。そうそうそうそう。エリックは家族だよ。はいどうも、モサレティビナマジータ。切られた。Aujourd'hui, on va manger des gâteaux japonais. C'est très bien. Alors, des gâteaux européanisés, on va dire, mais faits au Japon. Et en fait, ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que toi, t'aimes bien faire des gâteaux. Tu sais faire quoi? Des profiteroles, des gâteaux au chocolat, une sorte de rocher coco, des crêpes. Ah, c'est... non, j'aime pas quand c'est trop sucré en fait. D'accord. Moi, non, j'aime bien sucré en général. Bien le coin et qu'ils ont envie de me faire découvrir leur région, de me dire que tiens, là-bas, il y a. En fait, ici, là, cette pâtisserie, je la connais pas. En fait, c'est un monsieur de la région qui nous a conseillé de venir ici. Donc on va tester ça ensemble, parce que moi, c'est la première fois que je viens aussi. La nuit à 3h du matin, tu te dis j'ai la dalle, je vais prendre un gâteau, tu fais. Ça sent le chocolat. Ça sent effectivement la boulangerie. Basque. Basque. Ah non, j'ai surpris. Ah, regarde, c'est pas une banane. Mais t'arrêtes pas. C'est ça, c'est des nerfs, non? Qui vient des garçons de camp, ok. Kawaii. Ok. C'est mignon, non? Parce qu'en Suède, en Norvège. あとトウモロコシのバスクチーズにオリーブオイルかカラメルシロップ選べるんですけど、オリーブオイル気になります。食べる？はい、食べます。キペダリ。トミニョンにザシエテ。可愛いね。Coup, en fait, là, les deux gâteaux, c'est fait à base de maïs de l'agriculteur donc de chez Otolafu, donc le monsieur d'hier, en fait, des raisins. Et en fait, il a participé donc, à cette boulangerie en faisant deux gâteaux à partir de ses maïs. Okay. Alors ça, c'est le gâteau qui a été vraiment conseillé par le monsieur. Ça, le piège, c'est souvent quand on se comme ça, des fois, sont très sucrés. J'adore voir normal. C'est bon. C'est pas bon. Elle disparaît dans ta bouche en fait. Elle est où quoi? C'est ça qui est bien. Des fois, dans certaines crèmes, ça, tu peux l'avoir trop. Ça peut être un peu trop grand dans la bouche. Et là, justement, on sent à peine sur le palais. Donc, j'ai pris gâteau maintenant. Elle est bonne, bah ouais, carrément. Oui, si. Faut acheter, t'es ce goïtra lui. Ah oui, t'aimes bien le chocolat, tu m'as dit. C'est beau gars, ce qu'il a quand même. Bah écoute, c'est un gâteau au chocolat classique. Mais il est pas trop cuit. Et le problème avec le moelleux, c'est que des fois, il peut être trop sec. Oui, c'est exactement. Et là, c'est pas le cas. Je vais goûter un peu sans la crème. Mais il est bon. Il est bien le chocolat, il est pas trop sucré. すごい。口に入れたらこんなしっとりしてるチョコケーキ食ったことないかもしれない。なんだろうね。しかもクリームが結構冷たいので温度のバランスもいいね、口の中。すごい。En fait, par rapport à la visuel, j'ai cru qu'il allait plus sec que ça. Non, non, justement, il n'est pas du tout. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Mais toi, on a compris ça, quoi, ça, c'est comme ça. C'est bien, mais. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon.
Quel est... Tu connais le Mont Blanc? Ah, c'est toi qui m'en as parlé, en fait, je connaissais pas avant. Mm-hmm. Ah, je suis comme celui. Oh, cream rattle. Oh, ici, ça. Ce sont des lames de rue. Il y a de la crème cachée, en fait. Mm. Ok. Ah, en fait, ta réaction c'était genre non, c'était dégueu en fait. Non, 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 c'est pas dégueu, c'était un truc qui m'a surpris. Je vais regoûter parce qu'il y a un goût qui m'a surpris en fait. Alors, pour l'instant, ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont vraiment pas trop sucrés. Pour moi, ils sont bien du sucre. Pour moi, il y a un tout petit peu de rhum dedans. L'homme aurait été honteux. Je ne saurais pas dire si c'est un homme imaginé en bas ou pas. L'homme aurait été honteux. C'est très léger, ça parfume l'ensemble. Par contre, ce qui m'étonne, moi, c'est que la pâte de marron, en général, c'est super sucré. Ouais, elle a non. Et là, pas du tout. On sent vraiment le marron. Calé. Ah, t'es italienne. Mamma mia. En fait, depuis tout à l'heure, genre le visuel du gâteau et le goût n'a absolument rien à voir. Non, mais c'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de trompe-l'œil à ce niveau-là. Est-ce que tu peux expliquer le cannelé? Ah bon? Cannelé? Bah, c'est un gâteau du coup, que tu fais au four et normalement, tu vas sentir un petit goût de rhum. C'est pas fort. Tu ne dois pas sentir l'alcool, tu dois sentir le goût du rhum. Déjà au niveau visuel, il ressemble. Il ressemble à un cannelé. Okay. Alors normalement c'est noir à l'extérieur, dedans c'est clair. Ah il est croquant. Ah déjà il est très croquant. Oh. Auto gaski naka France pan mitai. Déjà dedans. Waouh. Il est pile comme je l'attends. Kipoiru kana. C'est vraiment l'odeur du rhum. Waouh, c'était aussi, il faut préciser que j'aime pas l'alcool dans les gâteaux. J'ai l'impression que j'ai une baguette. J'ai vraiment bien caramel. J'aime pas quand tu réponds pas. C'est pas ce thème. Mais que je savoure. J'apprécie. Les arômes. Mais encore une fois, parce que c'est très bon. Il est vraiment bon, c'est bien mangé. J'en ai pas mangé des tonnes dans ma vie, et j'ai parti des meilleurs. L'intérieur est vraiment pas sec du tout. Genre, c'est du flan. C'est ça, presque du flan. Ouais, le gâteau au chocolat, la banane. La génoise a l'air vachement aérienne. La mousse, n'en parlons pas. Avec le morceau de banane, je sens que ça va être super bon. Tant que le mousse, le nom gâteau au chocolat, je l'aurais donné au moelleux juste avant, en fait. J'ai dit la même chose à mon poney. C'est vrai ? Il n'y a pas eu que ça, maintenant qu'on a dit au téléphone. Ah, elle m'attend même pas. Ah, elle a tellement l'écrou, elle y va comme ça, elle. En tout cas, ça m'a très 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 léger. Ouais, y'a quoi, Anthony. Mousse a le nom, t'es au moins de l'idée. Ah ouais, toi tu prends une grosse bouchée. Ouais, hein. Je me rends compte que là ça va être. Coutine, il est à choquance. Essaye. Ça disparaît. Je sais pas comment ils font ça. Peut-être que c'est le mousse qui contient beaucoup d'air. Cookie no yoga, quand même. C'est lui. マさん、そば食ってお腹いっぱいって言ってたのに、すごい進んで普通に2年ほど全部軽いの。これが気になるんだろうね。それ完璧。じゃあ一口食べて。Du coup, c'est un gâteau basque à la citrouille. Ok. Voilà. Donc on va goûter.Il y a une pipette dedans et après tu tapes dessus. Oh, qu'il est noyau dans l'air. T'as vu la couleur. Waouh. Mon dieu. C'est tellement plus agréable de mettre soirée. Krami, c'est italien. J'ai été au gata. On dirait tellement qu'il y en a qu'il y en a vraiment. Non, quand ils vont, ils vont. Ça va, ça va. Waouh, y'a voilà quoi. Nouveau cours d'un an, quoi.
Ah, apparemment c'est un goût qui sent pas. Vas-y, je vais essayer. Il est plus dense que ce que je pensais. Beaucoup plus. On sent direct la cannelle. C'est excellent. D'accord. On sent la citron. Ça me rappelle un peu le potage. Un peu le neutre. Alors, toi, pas trop sucré. Pas plus comme il faut. C'est vraiment. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est juste. J'adore la texture. Et moi aussi. Mais j'arrive pas à savoir où est-ce que j'ai senti ça. J'ai déjà senti ce type de texture. J'ai de la purée. C'est ça. J'ai de la purée hyper fine. Ouais, c'est ça. En fait, de vue, j'ai cru que ça allait être comme du flan, tu sais, un peu gélatineux. Waouh, c'est moi. Non, mais alors, d'accord. Mâche potato, il y a un mec à potato salada, il y a un mec. Qu'est-ce que ça m'a rappelé ? Nan da ro, are. Il te demande quand on gagne les règles. Donc ça c'est vraiment littéralement le shortcake, Ichigo shortcake, c'est vraiment le gâteau japonais typique. Ouais, on voit les on le voit machin, on le voit tout. Souvent, soit pour les anniversaires, soit pour Noël. Mais pour une fois, je trouve lui un peu trop sympa. Comparé aux autres, je trouve qu'il est plus super. Bon, du coup, t'as un gâteau basque au maïs, et après t'as un flan un peu mou au maïs. Et en fait, ça, la pipette, c'est de l'huile d'olive apparemment. D'accord. Genre le gâteau basque, il vaut mieux mettre de l'huile d'olive dessus, apparemment c'est meilleur. Ok. Par contre, j'ai jamais goûté de pâtisserie à l'huile d'olive. Ça, c'est un très bon. C'est un goût qui est assez fort, l'huile d'olive. C'est vraiment pas une huile d'olive. Pourtant, j'aime bien ça. Hein. Je viens du sud de la France. L'huile d'olive, c'est l'aliment de base. Oh, non, c'est bon. C'est en anglais, ça. En fait, le fait de mettre de l'huile d'olive, c'est faire sortir le goût du maïs. Mon temps, il tombe en bouche. So, au niveau où il est le côté de ton monocoche noisy, c'est quoi? T'as vu, c'est trop bizarre, on sent pas lui. Par contre, t'as vraiment l'impression de manger du maïs. Hallucinant. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est trop bizarre. La citrouille, tu vois. J'avais pas l'habitude, mais en ça, pour le dire. Tout le monde pour moi, c'est vrai qu'on va. Après, l'avantage, c'est que le maïs, c'est déjà un sucre qui est doux. Là, on retrouve plus la texture gélatineuse du flan par rapport à tout à l'heure. Là, c'est un flan. C'est très bizarre comme texture. Ils sont vraiment nuls. Ah, t'as vu? C'est salé en plus. C'est ça que j'ai été là. Sois pas c'est étonnant. Ça reste du gâteau. Ça reste globalement sucré. En fait, quand tu le mets en bouche avec l'huile d'olive, t'as une pointe de sel à un moment. C'est la crème du sucre déjà. Ouais, je pense. Ça va super bien ensemble. Ça, c'est eux. C'est peut-être le plus étonnant de tout ça. Olivier, tu n'as pas les gens. Oui, c'est cool. Donc, on les aimerait aussi, vous aussi. C'est celui qui m'a le plus surpris, c'est lui. Parce qu'il y a du sel. Voilà. Et un deuxième qui m'a le plus surpris, c'est l'autre. En fait, les deux au maïs, ils arrivent nulle part, tu sais. Avec l'huile d'olive, ça arrive nulle part. C'est grand aussi. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien. C'est bien. J'ai tout aimé. Il y en a que un que j'ai mis au maïs, que je connaissais pas. Pas appris en France, ils ont appris dans le monde du gâteau. C'est des gens qui ont appris en France et en fait, c'est des gens qui ont gagné des
des prix dans des concours de pâtisserie en France, etc. はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。逆に皆さんこれを見て一度美味しそうと思ったケーキがあればぜひコメントで教えてください。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。ぜひ佐賀市に来てね。佐賀市に来てね。あ、うまい。<笑><笑>